Ce n'est pas tous les jours que la vingtaine d'occupants d'un service résidentiel pour adultes vieillissants de la province de Hainaut voient débarquer dans leurs locaux un ministre wallon. C'est pourtant ce qu'ont vécu ceux de la brasserie Grenier à Montigny-sur-Sambre. Ce site, acquis par la province en 1969, est devenu un pôle important de l'action sociale et nuière depuis sa restauration en 2013. Car outre cette résidence, il accueille aussi le projet pilote Hainaut Job Coaching de placement de personnes handicapées en entreprise et un service d'aide précoce. Je crois qu'il est important pour la province de Hainaut de montrer au ministre de la région wallonne qui est en charge tout le secteur social, de montrer ce qu'on y fait, puisque c'est vrai que la province de Hainaut participe beaucoup à tout ce que la WIP organise. Ils ne s'attendaient pas à voir ce qu'on a vu. Donc pour nous, c'est fort important qu'ils se rendent compte que sur le terrain, avec l'argent de la WIP, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est l'occasion aussi de mettre à l'honneur ceux qui font le quotidien de l'accompagnement de la personne handicapée, donc tous ces travailleurs de l'ombre, mais qui font un métier du cœur extraordinaire, que l'on doit continuer à soutenir. Et ma volonté, comme ministre en charge du handicap, particulièrement sensibilisé depuis toujours à la question du handicap, c'est de débloquer les budgets nécessaires, d'exonérer le secteur du handicap de toute économie en ces périodes de restrictions budgétaires, parce que plus que jamais, c'est ce qui fait sens à la politique publique, c'est l'aide aux personnes handicapées.